Samedi dernier, le centre commercial de Destreland accueillait la foire exposition de la 13e édition d'Entreprendre en lycée. 25 000 entreprises issues du travail des élèves de quasiment tous les établissements de Guadeloupe. Ce jour-ci, il fallait présenter les différents produits comme de véritables professionnels. Aujourd'hui, nous sommes venus pour exposer et montrer un peu aux gens ce que la mini-entreprise Veloca offre comme service. Il y a eu de nombreuses personnes qui sont passées juste pour voir et qui nous ont dit qu'elles vont commander sur le site. Mais il y en a eu aussi également de nombreuses qui ont acheté et qui ont adhéré à la cause. Avant d'en arriver là, il fallait au préalable comprendre le fonctionnement d'une entreprise tout en continuant ses études. Un exercice qui n'a pas été que simple. Dès le mois d'octobre, je les ai eus en cours de management et aujourd'hui je vois des jeunes complètement transformés, qui ont pris confiance en eux et puis qui ont des produits qui fonctionnent. Tout particulièrement le premier stand, un succès fou. À chaque fois que je passe devant, il y a un monde fou, ça achète sans arrêt, ils finiront leur stock à la fin de la journée. Le stand aussi d'hydroponie, il y a beaucoup de sollicitations des personnes qui laissent leurs coordonnées pour pouvoir mettre en place des systèmes pareils. Donc ce n'est qu'une très bonne chose pour notre jeunesse et puis l'avenir de la Guadeloupe. Et côté client, on apprécie les efforts fournis et la qualité des produits. C'est une très bonne chose, ouais. Ben, voilà. Que ça continue et puis bon, que ça évolue. Sur ce stand-là, j'aime beaucoup parce que en fait, c'est écologique, c'est recyclage, donc c'est magnifique, c'est bien. Pour les élèves, maintenant, c'est l'heure des comptes, d'un point de vue financier comme pour toute entreprise, mais surtout pédagogique, car c'est là qu'est tout l'intérêt de ce projet, d'un point de vue scolaire.